Changement de rythme. Le chanteur Benanar, ou Bruno Nicolini de son vrai nom, a parlé en exclusivité à Closer de sa carrière et de son train de vie, mais également de sa famille. C'est avec Stéphanie, qu'il a rencontré à Bruxelles dans les années 90, que Benabar a fondé sa famille. Avec un petit garçon d'abord, Manolo, né en 2004, puis une petite fille, Ludmila, née en 2009. C'est en octobre 2010 que le couple, ensemble depuis plusieurs années, décide de se marier à l'hôtel de ville de Saint-Mandé dans le Val-de-Marne. Depuis, Benabar est un mari et un papa heureux qui, entre deux chansons, fait ce qu'il peut pour lutter contre sa dépression. Une lutte qui pourrait bientôt s'avérer difficile à cause d'un gros changement à venir. Comme il l'a annoncé dans les colonnes de Closer, mon fils quitte le nid, car il intègre une école de musique. Ce n'est pas facile. J'ai une peur panique de la solitude. Vacances ou pas, je suis incapable de passer du temps juste avec moi. Point grande étape pour Manolo donc, qui semble marcher dans les pas de son père à qui il va beaucoup manquer. Ce dernier souhaite justement inculquer à ses enfants la valeur travail, la persévérance, l'esprit critique, le recul et le respect de l'autre. Des valeurs parfois loin du milieu du showbiz auquel Benabar essaie de ne pas trop se mêler. Benabar, je refuse cette cérémonie de l'entrée soit les névroses exagérées, les caprices, l'importance de l'argent et le jeu de la séduction sont les risques du métier. C'est un milieu où il y a beaucoup d'ordures, explique Benabar à Closer, avant de nuancer, mais aussi des amours comme Isabelle Nanty, Renaud, Jérôme Commandeur, Cali, la grande Sophie ou Pascal Obispo. C'est notamment une des raisons pour lesquelles le chanteur a déjà boudé la cérémonie des victoires de la musique, et ce à trois reprises. Je refuse cette cérémonie de l'entrée soit, une mascarade, un petit sucre ni prestigieux ni honnête destiné à faire oublier les corrompus et les coups bas dans la profession. Point une réponse claire pour une interview sans filtre à retrouver en intégralité dans le nouveau numéro de Closer, en kiosque ce 26 août. Comment acheter Closer ? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 26 août 2022 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur kiosque mag.